Alors, comme je vous disais, donc une fois que vous avez passé à l'étape de la commande, que vous l'avez mis en ADR, vous pouvez choisir les deux options, donc envoyer plus tard ou immédiatement. Et là, vous passez aux étapes où vous allez remplir vos coordonnées de livraison, les informations de paiement, donc vous pouvez choisir Visa ou par virement bancaire. Donc, si je clique virement bancaire, vous avez les indications où le payer. Et là, vous faites continuer. Ensuite, vous avez accepté les termes et conditions de l'ADR. Donc, vous pouvez lire les termes, vous faites continuer. Et vous passez à la commande. Donc, finalisez la commande en cliquant sur passer la commande. Et là, vous allez recevoir un mail qui vous confirme que vous devrez le payer votre commande par virement bancaire, donc il vous envoie de nouveau toutes les informations par mail.